c'est-à-dire que les ministres, tous les ministres sont à fond. Et je peux même vous dire qu'il y a plus de 100 personnes au niveau de l'Élysée, il y a ça essentiellement de la minorité des 0,20%. C'est pas grave. J'ai proposé donc à tous les médias qui ont beaucoup d'activités, à toutes ces populations politiques, actuellement, il y a un grand problème, ce sont les premiers doriforts, et le doriforts, vous pouvez savoir si le doriforts, les doriforts dans les champs de pétale, les champs de pétale, c'est un problème social, climatique et juridique social. Et ça, je demande effectivement aux médias et je demande au gouvernement de bien réfléchir sur le problème des doriforts dans les champs de pétale, je pense qu'ils ont beaucoup à faire. Merci, à bientôt. C'est un des rares avocats à oser parler. Et comme vous tous, il est courageux, il ouvre les yeux, il pense. Je vous demande des petits applaudissements pour David. Il n'y a pas de définition juridique, en réalité, il n'y a que des critères subjectifs. On peut définir une crise sanitaire comme étant ce que le pouvoir politique estime comme étant une crise sanitaire. C'est la raison pour laquelle, vous l'aurez compris, il n'y a aucune raison que cette situation se termine. Nous sommes dans un état d'urgence sanitaire perpétuel. Il est donc extrêmement important aujourd'hui de se rencontrer, de se mobiliser au nom de valeurs fondamentales telles que la liberté. Car vous l'aurez compris, il ne s'agit pas d'un combat entre vaccinés et non vaccinés, il s'agit d'un choix de société, d'un choix de liberté. Le pass sanitaire est tout sauf sanitaire. Regardez, demain, vous ne pourrez plus aller sur les terrasses, alors que l'on sait depuis très longtemps que ce n'est pas sur les terrasses que vous vous contaminez. On nous fait croire que finalement, il n'y a qu'une seule alternative. On nous fait croire que c'est le confinement ou le pass sanitaire. Mais en réalité, où sont les moyens pour l'hôpital public? Exactement. En réalité, cette semaine, on a injecté 60 millions d'euros dans l'hôpital public. Alors ce n'est pas pour créer des lits supplémentaires, vous l'aurez compris. Si c'était le cas, il n'y aurait plus de crise sanitaire. Mais en réalité, c'est bien pour pouvoir payer des... Il n'y aura pas de moyens supplémentaires pour l'hôpital et par conséquent, il n'y aura pas d'amélioration de la tension dans les hôpitaux. Nous serons perpétuellement dans un état d'urgence sanitaire. Vos libertés sont devenues la variable d'ajustement d'une politique sanitaire qui aujourd'hui devient une politique autoritaire. Il est donc extrêmement important de se lever d'un seul homme au nom de la liberté, au nom de l'égalité et au nom de la fraternité. Non au pass sanitaire. Je voudrais vous dire que vous n'êtes pas des anti-pass sanitaire, vous n'êtes pas des anti-vaccins, vous n'êtes pas des anti tout ce que vous voulez. Vous êtes des pro-liberté. C'est ça avec cette liberté. Vous êtes pro la liberté et la liberté peut se concilier avec la santé publique, quoi qu'on en dise. Il y a une conciliation possible. Aujourd'hui, ce qui est important, donc, c'est de se réunir. Il faut résister. À partir de lundi, on va changer de société, vous l'aurez compris. Un pass sanitaire sera instauré, il sera généralisé et il sera pérennisé. Nous devons résister, être le petit grain de sable qui va empêcher ce rouage de pouvoir s'écraser sur nous et sur nos libertés. Nous pouvons encore dire non, c'est le moment et je vous demande de dire non au nom de la liberté. Non ! Merci à tous. Bonjour, vous pouvez...
pouvez vous présenter succinctement, en fait. Je viens de vous entendre parler, là, c'était assez intéressant. Vous êtes avocat à quel barreau exactement ? Alors, je m'appelle David Villon et je suis avocat au barreau de Montpellier. Donc, je suis sur la place de la Comédie et je suis venu faire un discours pour essayer de rappeler un petit peu que la liberté, l'égalité et la fraternité, même en période de crise sanitaire, sont pas des droits sur lesquels on doit s'asseoir. Alors, à la base, vous êtes dans quel type de droit spécifique ? Moi, je suis du droit administratif. Donc, l'État, c'est habituellement mon adversaire. Depuis le début de la crise sanitaire, c'est devenu un adversaire assez courant puisque j'ai attaqué à peu près tous les confinements, les couvre-feux, le port du masque en extérieur à Montpellier. C'était ici la première fois en France. C'était avec mon cabinet et puis la suite logique avec le pass sanitaire et la vaccination obligatoire. Carrément. Et justement, qu'est-ce que vous avez à penser en tant qu'avocat justement du fait que l'État est en train de fouler avec le pied tous les droits et, constitutionnels qui dépassent la loi normalement? Jusqu'où ça va aller? Jusqu'où on est prêt à aller? Il y a encore un an, on disait mais non, on n'aura pas de confinement, etc. Vous avez entendu des gens vous dire ça. Où est-ce qu'on en est maintenant? Jusqu'où ça va aller? Je pense qu'en fait, on est totalement en roue libre. Les principes fondamentaux cardinaux de notre société, qui devraient normalement nous apporter des garanties, surtout en période de crise, sont en train de sauter complètement, littéralement. Et on se retrouve aujourd'hui avec un régime où je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait nous stopper dans cette déferlante un petit peu autoritaire, parce qu'on a finalement un chef d'État qui décide seul, en conseil de défense. Nous n'avons pas accès aux audits qui ont pu se tenir pendant ces conseils. Et bien entendu, on voit bien qu'on a une majorité parlementaire qui exécute ce qu'on lui demande d'exécuter. Donc aujourd'hui, effectivement, je ne vois pas ce qui peut le stopper, si ce n'est des actions juridiques pour rappeler le droit, c'est extrêmement important, et ces mouvements citoyens, avec notamment ces manifestations, qui permettent quand même de rappeler qu'on n'a pas non plus une volonté quand même de s'opposer à ces mesures, parce qu'aujourd'hui, on va véritablement créer une scission, on va créer un mécanisme juridique qui va créer un antécédent et qui va changer littéralement notre conception de la société. C'est clair. Alors justement, vous n'êtes pas le seul avocat et comme vous le dites, quels sont les recours? Ça fait un an qu'il y a des recours, mais en même temps, vous dites qu'ils décident tout seuls. Mais on voit que la décision commence à passer en Europe, dans d'autres pays. On voit que d'autres pays comme Israël sont allés encore plus loin, reviennent, Moscou, etc. Est-ce que c'est vraiment le droit français qui va pouvoir résoudre une solution presque mondiale? Est-ce que le peuple si présent va suffire? Qu'est-ce qu'il faudrait de plus? Même plus d'avocats? Les avocats qui sont contre vous aussi, il y en a beaucoup. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement la crise elle est mondiale et qu'il y a autant de manières de gérer la crise qu'il y a d'États. Parlons un petit peu de la Suède qui effectivement elle a décidé de mettre que de manière très marginale des mesures de restriction, de sanctions et d'interdiction. Donc on voit qu'on peut faire différemment. Aujourd'hui, effectivement, il y a une certaine unanimité sur la gestion de la crise sanitaire, et elle est surtout de manière occidentale. C'est le monde occidental qui gère cette crise de cette manière. Mais aux États-Unis, vous avez 51 États et 51 manières de faire et de gérer une crise sanitaire. Bon, on ne peut pas comparer uniquement avec quelques références avec Israël ou, par exemple, New York, qui lui aussi a instauré un pass sanitaire, parce qu'en réalité, on fait très différemment un peu partout dans le monde. Donc, il n'y a pas d'unanimité là-dessus. Est-ce que le droit français va nous sauver? On a compris avec la décision du Conseil constitutionnel, en réalité, derrière cette marge d'appréciation, le Conseil constitutionnel ne veut pas censurer la volonté politique traduite par le législateur. Donc non, ce n'est pas le droit national qui va nous sauver. En revanche, il reste des juridictions internationales. Il nous reste quand même le Conseil d'État dans sa section contentieuse. Il a rendu un avis dans lequel il a déjà indiqué au gouvernement qu'il y avait quand même des limites à ne pas dépasser. La section contentieuse peut très bien faire droit à ces arguments qui ont déjà été évoqués par cette section non contentieuse. Et donc, on n'est pas à l'abri quand même de pouvoir avoir des adaptations de ce principe, de ce pass sanitaire. Mais surtout, il faudra mener ces combats devant les juridictions internationales. Je pense ici à la Cour de justice de l'Union européenne et à la Cour européenne des droits de l'homme. Alors en conclusion, jusqu'où est-ce que vous êtes prêt à aller? Jusqu'où est-ce qu'il faut qu'on aille? Et est-ce que ça va être pour des petits aménagements finalement, un peu comme ce qu'on a vu, on va pas être viré, on va être juste mis à pied, même pour les pompiers en fait, finalement ça devait s'appliquer aux hôpitaux, mais non, c'est-à-dire dans 6 mois où est-ce qu'on en est? Parce que à ce rythme-là, le temps que les décisions se passent, jusqu'où il faut aller? Covadis. Il faut aller jusqu'au bout des moyens légaux. Le droit nous donne encore des arguments pour pouvoir lutter contre cela. Je pense notamment aux fonctionnaires et aux personnes qui sont en CDI. Vous avez la possibilité de vous mettre en arrêt de travail. Alors il faut l'utiliser, bien entendu. On a toute une série aussi d'arsenal juridique qu'il faudra déployer. On peut attaquer devant le Conseil d'État ces décrets. Donc il y a quand même des choses qu'on peut faire aujourd'hui. On n'est pas non plus dans une impasse totale. Et bien entendu, c'est le temps et la réalité qui vont à un moment donné mettre fin à cette crise. Pourquoi? Parce qu'on va s'apercevoir que c'est un outil juridique qui est impossible à mettre en œuvre. Donc certes, on pourra mettre un pass sanitaire, mais la mesure ne s'appliquera pas de manière concrète et effective. Et puis, dernièrement, la campagne de vaccination avance. Et donc, si le vaccin est réputé comme étant aussi efficace que ce qui est indiqué, à un moment donné, on doit pouvoir penser raisonnablement que la situation va changer. Et si elle ne change pas, alors aujourd'hui, nous ne serons pas quelques milliers derrière la place de la Comédie, mais quelques millions dans les rues partout en France.
Alors espérons-le, et le dernier mot positif, c'est ça justement, votre combat aussi, vous allez le continuer, écoute le coup. Résister. Jusqu'au bout, résister. Résistons. Résister et tenez l'état du droit, tenez le discours de la liberté, de l'égalité, de la fraternité face à un discours qui aujourd'hui est unanime dans les médias et qui n'a que vocation à essayer de vous maintenir dans cet état de servitude plus ou moins consentie par une partie de la population. Très bien. Résister. Merci beaucoup. Merci. Garde du corps. Faut leur garder le corps, en fait, c'est dangereux pour eux. La presse est prise un peu à partie de temps en temps, on sait jamais. Quelle presse? Toutes les presses. Pas toutes. Ils sont plus libres aussi de travailler. Bon, en tout cas, ça vous donne du travail, quoi. C'est comme contrôler des passes, ça va être pratique, ça va donner du boulot, quoi. Après, nous, on fait un métier, on nous demande de travailler, on travaille. J'avoue. Hein, on a pas chaud non plus. Mais qu'est-ce que vous en pensez que maintenant, vous soyez obligé de protéger des journalistes en 2021, alors qu'il y a tout le peuple qui est dehors? Pourquoi ils doivent être protégés du peuple, presque comme des politiques? C'est pas normal. Parce qu'il y a toujours des extrêmes dans les manifestations, et c'est ceux-là à qui il faut faire attention. Après, la plupart des gens sont bien, il n'y a pas de problème. Et eux, ils font pas partie des extrêmes, alors aussi, pour des extrêmes au niveau journaliste, contre extrêmes, c'est pas ça aussi? C'est quoi comme journaliste, eux?
France 3, ils demandent à toutes les populations, ils ont eu des gens qui étaient pour, il y en a qui étaient pour contre, et puis voilà, c'est tout. Alors s'ils rendent bien compte des choses, normalement ça se passe bien là, regardez, vous n'avez pas eu de boulot là pour l'instant, c'est bon? On se méfie quand même, il y en a eu quelques-uns qui étaient anti-publicité, anti-info, donc voilà. Bon alors peut-être que s'ils font bien leur boulot, vous ferez bien votre boulot aussi, merci à vous. Un petit mot s'il vous plaît. Pour savoir. Ah pourquoi c'est la police? C'est la police qui répond comme ça normalement. Bah justement, je voulais savoir comment vous, en tant que média, vous prenez cette situation, comment vous le sentez aussi par rapport aux dernières manifestations, l'évolution. D'intention et de tension, ouais. Et justement, j'ai posé la question à votre garde du corps. Vous avez un garde du corps maintenant, on l'a dit déjà dans d'autres médias. Qu'est-ce que vous pensez du fait que de plus en plus maintenant on doit se déplacer avec un c'est malheureux, mais on n'a pas le choix. Ouais, c'est imposé ou alors vous-même vous vous sentez vraiment en insécurité? On s'est fait déjà insulter, agresser déjà. Et pour quelle raison selon vous? Pour quelle raison vous savez pas pour quelle raison vous ne le ressentez? Pour quelle raison selon vous? Ok, très bien. Bah, je vous remercie. Merci.
Car il y a une majorité silencieuse, une majorité qui ne se rend encore pas compte des conséquences dramatiques de ce pass sanitaire. Et cette majorité silencieuse, elle peut changer de camp à tout instant. N'en croyez rien, mais la situation que nous vivons est encore changeable. Nous pouvons changer les choses. Si vous ne me croyez pas, suivez de près les actions juridiques qui sont menées. Suivez de près la manifestation. Rejoignez-moi sur ma chaîne YouTube dimanche soir à 21h. Je vais décortiquer la loi. Je vais décortiquer les décrets parce que tout ce qui n'est pas interdit est fortement autorisé. Police!
Thank you.
Italiens assassinés par les nazis, par la phalange. Je vous demande de vous de réfléchir, on n'est pas des boutons. Les salariés de l'hôpital nous attendent. Ne suivons pas comme des moutons ce qu'il est. C'est un élu de la République. Et la République, c'est une machine à fric. Faites attention. Arrêtez d'être manipulés. Si, c'est vrai. Il est élu à Saint-Jean-de-Védas. Il est élu à Saint-Jean-de-Védas. C'est un traître de la classe ouvrière, un traître du peuple de France. C'est un traître. Le parti à l'idée.
C'est dans la boîte. Tiens, profite-en, dis-moi un petit mot. Pourquoi t'es là exactement? Bah d'après toi, pourquoi je suis là? Je sais pas, je te pose la question pour savoir. Bah parce qu'en fait, je pense qu'il y a une caste, une classe sociale en fait, qui s'est emparée de la démocratie, qui sont suivis avec les laboratoires. Mmh. Et bah, ils font un match de fric en fait. Là, le Conseil constitutionnel, il vient de traiter, il vient de bafouer 10 articles de loi européenne, Nuremberg, j'en passe, c'est les meilleurs. Mmh. Donc en fait, ces gens-là, on ne peut absolument plus leur faire confiance. Malheureusement, bah, ils tiennent toutes les forces coercitives. Donc en fait, il nous reste que la masse. Que la masse non violente, en fait, moi c'est comme ça que je l'entends. Et justement, tu la vois, elle est non violente, c'est aussi pour ça que je peux rendre compte de ça, c'est très piste là jusqu'à présent, on est à la quatrième semaine, ça va continuer comme ça, j'espère. Bon, ils ont mis en exergue le fait qu'il y ait un centre de vaccination qui soit fait un peu secouer, quoi, mais enfin, on les connaît les médias, quoi. Le moindre petit truc qui va dans le sens du pouvoir, en fait, ils montent ça en exergue et le reste, ils n'en parlent pas. Ils trichent sur les chiffres, etc., etc. On sait très bien que c'est les menteurs, point. Ce sont les menteurs. Et qu'est-ce que tu penses de l'effet que ça fait sur la population qui regarde ces médias, qui sont quand même plusieurs millions, c'est ceux qu'on voit pas ici aujourd'hui, qui sont peut-être pour tout ce qui se passe. Quel est l'impact, quoi? Par rapport à ça, bah, l'impact, il est énorme. Mais par rapport à ça, il y a dans toutes les familles, il y a des mômes, des jeunes qui vont chercher sur Internet et qui regardent en fait ce qui se passe. Et donc, en fait, les images réelles, tout le monde arrive à les voir malgré tout, quoi. Effectivement, il y a des indécrottables, en fait, de l'aliénation télévisuelle, bien évidemment. Mais à ceci, je ne peux rien faire, malheureusement. Et alors, jusqu'où t'es prêt à aller? Jusqu'où tu es prêt à continuer cette marche, ce combat? Jusqu'à ce qu'il cède. Jusqu'au bout? Jusqu'au bout. Jusqu'à la fin? Gilet jaune, depuis le début, je lâche rien. Super. Ça retombe sur la com, merci. Ça va partir à droite à gauche. De manière, il y en a, mais pas assez pour contenir. Ils sont assez calmes et gentils, et ils sont plutôt de notre côté que contre, là, on va dire. Ça dépend des ordres qu'ils reçoivent, parce qu'à un moment, s'ils reçoivent un ordre à la con, ils vont l'exécuter, quoi. C'est ça le problème. Ils n'ont pas de libre arbitre. Mais on n'a qu'à dire qu'on a un gentil préfet, ici. Ouais, t'as raison. Ouais. Et puis que les préfets sont nommés directement par l'Élysée, par Macron, donc ça craint, parce qu'ils mettent que des mecs à lui, alors, de toute manière. Bon, ben ça c'est dit. Mais, hein? Ça c'est dit. Ça c'est fait. C'est dans la boîte. Ça merde. Enfin, je suis un peu fiché.